Nantes, sa Bretagne, la capitale bretonne, une ville à vélo, trottinette, les bus, le train. Bon, un samedi, il n'y a pas grand monde. Ça va. Un vélo, c'est une petite vidéo, faut montrer la ville. Un tout petit secteur du cours de sa Cantotage avec ses transports. Voilà. Fait que Nantes est une ville très active dans tous les coins et beaucoup de cyclistes. Une grande ville, la métropole à vélo. Regardez les panneaux. Il y a place Bretagne, marché Talensac, direction Rennes, nord centre-ville, est Nantes, Val des Croisseaux, le commissariat. L'université, le petit port, hôtel du département et qui est barré, je vois pas c'est écrit quoi. Et les bus de la TAN. Évidemment. Avec ces pistes cyclables, les portes de l'herbe, voilà les petits restaurants, les agents de la métropole qui font des petits nettoyages, les bords de l'herbe, voilà comme vous voyez avec la piste cyclable que j'ai prise, beaucoup de vélos. Mais quelques milliers par jour, du matin au soir. Hôtel de ville. Bon, normalement là, il y a le drapeau de la Bretagne, mais c'est le drapeau de l'Ukraine. Soutien à l'Ukraine pour que cette guerre s'arrête. Voilà. Cette route qui nous ramène direction La Beaujoire et Saint-Joseph-Porterie avec l'église Saint-Domatien au fond. Et là, ça ramène au centre-ville, même si on y est déjà dans le centre. Là, ça ramène sur les bords de l'Erdre, direction la faculté de Nantes. Et là, c'est Pont Saint-Michel. Centrale de police.
Regardez, là, c'est île Versailles. Un endroit sympa. Et en bas, là, vous avez un chemin, mais on peut plus en entrer. Et voilà, le pont de Motte Rouge, si c'est bien ça. Avec en face le tramway de la région nantaise de 1985, ce modèle. Et ici, c'est les bateaux nantais. De nuit, de jour, ils font visiter jusqu'à Sucé-sur-Erdre ou le parc de la Chantrerie. Et le tramway remonte là-haut jusqu'à les facs de Nantes. Voilà. Et voilà, regardez, ça c'est des bateaux nantais. Tu peux manger, danser. Ils font des balades de jour comme de nuit. Et ils partent de ce sens-là. Là. Parce que côté c'est le centre-ville et ça devient plus serré, plus compliqué. Mais là, ça sera plus à la campagne. Et voilà. Et c'est ceci. Bateau nantais. Vous naissez pour réserver. Promenade, croisière, déjeuner, bref, voilà. Et c'est ici. Il y en a un, deux et deux autres qui sont derrière. Au pied du commissariat central de police de Nantes, Val des Crousseaux, l'un des plus grands de l'ouest de la France. Bon, les gens, si vous aurez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker, de commenter. Et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce style comme ça, dans des endroits, dans Nantes ou autour, qui vous fassent découvrir, soit dans les parcs, à la campagne, à la forêt. Bon, après, il faut se trouver un moyen de transport. J'ai mon vélo, parce que là, je suis en vélo. Sinon, si vous avez quelqu'un qui veut bien m'accompagner, comme ça, on fait ça ensemble. Que comme ça tu passes dans la vidéo, je dis je serai avec un abonné ou tout seul. Et voilà. Allez, on se dit très bon visionnage. Attention au soleil, avec la vague de chaleur, plus de 40 degrés, et c'est un endroit, ça peut aller jusqu'à 50. La semaine prochaine en France, soyez très prudent. Et bon visionnage à tous, et ciao les abonnés.